A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of two co-eds. Bundy is the 136th person under death sentence in Florida. Ed Rabel reports. Before pronouncing the sentence, Judge Edward Cowart let Bundy make a statement. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. So I will be tortured for and will suffer for and receive the pain for that act. But I will not share the burden for the guilt. Says he'll appeal. Meanwhile, he has been ordered to the state prison to await setting of the date of his execution in the electric chair. Ed Rabel, CBS News, Miami. Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire du tueur en série le plus connu des États-Unis. Et contrairement à Henry Lee Lucas, pour une fois, ses meurtres sont vrais et avérés. Vous l'avez vu au titre, on va parler de l'histoire de Ted Bundy qui va être une histoire très très longue. Donc on vous dit déjà, enfin du moins pour ma part, je pense lire un peu mes notes parce qu'il y en a énormément, qu'il est tard et que du coup ça va être un peu compliqué de tout mettre en accord pour cette vidéo. Dans l'histoire, il faut savoir que la personne que l'on va nommer Meg Anders, c'est un nom fictif qui a été donné dans un livre qui a été écrit. Son vrai prénom est Elizabeth Kopfler, mais pour ne serait-ce qu'une simplicité de prononciation, nous allons l'appeler Meg. En plus de ça, je préfère préciser que nous n'allons pas parler de tous les meurtres que Ted Bundy a commis, car il y en a 36, c'est très très long. Nous allons principalement se concentrer sur l'histoire de Ted Bundy, des plus gros meurtres, et nous mettrons une liste de tous les meurtres qui ont été avérés à la fin de cette vidéo. Le vrai nom de Ted Bundy était Theodore Robert Cowell. Il est né le 24 novembre 1946 dans le Vermont, et plus précisément à Burlington. Sa mère s'appelait Eleanor Louise Cowell et elle était employée dans un magasin. Son père, on n'a pas vraiment de précision sur lui, on a juste vu des choses sur des actes de naissance, mais on ne sait même pas s'ils sont vrais, et il s'appellerait Lloyd Marshall, et ce serait un vendeur et un vétéran de l'US Air Force. Mais d'après nos recherches, on aurait vu que du coup ce père, ça serait pas forcément lui, et qu'elle aurait été séduite par un autre homme qui était en fait un marin. Et ce fameux marin s'appellerait Jack Worthington. Désolé pour ma prononciation, il est tard. Ted, lui, soupçonnera carrément le père de sa mère, donc son grand-père, d'être son père à lui. Cet homme s'appelait Samuel Cowell et c'était quelqu'un de très violent et de très abusif. Et d'ailleurs, bah, si ça serait son père, ça montrerait un peu la violence et l'abusivité de cet homme. De sa naissance jusqu'à ses 3 ans, Ted vivra dans la maison de ses grands-parents, donc Samuel et Eleanor Cowell, à Philadelphie. Et ses grands-parents l'auraient élevé comme leur fils pour éviter les stigmatisations sociales qui n'étaient pas du tout bien vues à cette époque. Et dans tout ce petit fouillis, du coup, ils feront croire que la vraie mère de Ted aurait été sa sœur aînée. Faut savoir que Ted également croyait que sa propre mère était sa sœur aînée, et il l'aurait appris de différentes façons suivant ce qu'on a trouvé. Il y a 3 versions, donc je me permets de vous les lire. Dans la première version, il dira à une de ses petites amies qu'un de ses cousins lui aurait montré un acte de naissance stipulant que Ted était un bâtard. Dans la deuxième version, il explique au biographe Stephen Michaud et Hugh Ainsworth, encore une fois désolé pour ma prononciation, qu'il avait retrouvé lui-même le certificat de naissance montrant que sa mère n'était pas sa sœur aînée. Et dans la dernière version, le biographe Anne Rule, qui connaissait Ted personnellement, ces deux graphes pensaient que Ted lui-même avait retracé son acte de naissance du Vermont depuis 1969 et donc aurait découvert lui-même la vérité. Évidemment, suite à ça, Ted va exprimer une énorme rancœur envers sa mère pour lui avoir menti pendant toute sa naissance, toute son enfance, et il va commencer à la détester. Un an plus tard, lors de ses 4 ans, il déménagera dans l'état de Washington avec sa mère pour aller vivre chez un oncle. Les deux vont officiellement changer de nom et vont devenir Theodore et Louise Robert Nelson. L'oncle de Ted, faut savoir que c'était quelqu'un de très raffiné, de très propre sur lui, et ça va donner un exemple à Ted et il va vouloir lui ressembler à tout prix. Un an après l'arrivée chez cet oncle, la mère de Ted va épouser un homme qui s'appelle John Bundy et Ted va décider de prendre ce nom et donc devenir Theodore Bundy. Ted, lui, n'apprécie pas du tout cet homme et il va le détester pour son accent qui du coup n'est pas du tout le même que lui. Et en plus de ça, John était un illettré.
John, lui, de son côté, va essayer de se rapprocher de Ted comme si c'était un bon beau-père. Il va essayer de vouloir faire de la pêche avec lui, plein d'activités, mais ça sera sans succès étant donné que Ted aura vraiment un énorme blocage avec cet homme. Pour Ted, les deux seuls hommes qu'il respectait vraiment étaient son oncle, Jack, et son grand-père. Comme on l'a dit un peu plus tôt, Ted voulait à tout prix ressembler à cet oncle qui était très bien sur lui, et donc il avait vraiment honte de son milieu modeste, de sa classe sociale, et il voulait vraiment paraître beau et bien habillé. Il faut savoir, retenez bien ça, que son obsession pour les biens matériels ne va faire qu'accroître avec son âge. Louise et John, donc le cuisinier, vont avoir eux 4 enfants, et il faut savoir que Ted va s'en occuper assez souvent en sortant de l'école, donc après ses cours, il va s'occuper de ses 4 enfants. Un jour, lorsque Ted joua à l'armée, parce que à cette époque c'était un petit peu un jeu normal, donc il jouait à la guerre, il va se prendre un bout de bâton dans l'œil. Et c'est à ce moment-là que Ted va commencer à vriller, étant donné qu'il s'est jeté sur cet enfant et qu'il l'a frappé vraiment très fort à plusieurs coups, et qu'il a fallu que d'autres enfants viennent pour essayer de le retirer de cette bagarre. Son meilleur ami, Terry Strowick, expliqua « Ted se détachait toujours des événements, alors c'était quelque chose de le voir impliqué dans quelque chose. Lorsqu'il a reçu le truc dans l'œil, il s'est impliqué. » Ted avait tendance à se battre énormément avec d'autres petits garçons, et d'ailleurs il était même chez les scouts et il avait une fois balancé une des assiettes au visage d'un autre jeune garçon parce qu'il avait coupé un petit arbre. Il a même une fois frappé un autre garçon avec un bâton juste pour voir ce que ça faisait. Il expliquera que Louise, donc sa mère qui se faisait passer pour sa grande sœur, s'occupait principalement des enfants comparé à John, mais malheureusement dans leur éducation elle avait tendance à oublier tout ce qui était plus ou moins personnel et intime, donc parler des relations sexuelles et tout ce genre de choses. C'est une femme qui était très réservée et parlait très peu de son enfance à Ted. Elle expliquait seulement qu'à l'école c'était une excellente élève et suite à ça, Ted voulait faire exactement comme elle. En grandissant, Ted, adolescent, était un garçon qui était très timide. C'était le souffre-douleur de la plupart des élèves, il subissait beaucoup de moqueries, mais cependant, ses notes étaient relativement bonnes. C'était un garçon qui était très solitaire et qui aimait énormément écouter des émissions à la radio, et d'ailleurs, le soir, il s'imaginait que c'était lui, l'animateur, qui posait les questions aux invités. En grandissant, c'est devenu un jeune homme très beau, très grand, mais malheureusement, il manquait énormément de maturité. C'était un garçon qui voulait faire du sport, mais se trouvait beaucoup trop maigre pour en faire, et c'était un garçon qui était vraiment très narcissique. Il a donc essayé de s'inscrire à des sports collectifs, comme le basket et le baseball, mais ça n'a pas marché, il n'était vraiment pas fort dans ces domaines-là. Par la suite, il s'est donc essayé au ski, et par chance, c'est un sport qu'il a vraiment aimé, et il va vraiment s'y mettre à fond. Et il va d'ailleurs voler des équipements de haut niveau pour pouvoir s'entraîner encore et encore. Ted était un garçon qui allait à l'église tous les dimanches, et il était d'ailleurs vice-président de l'amicale des jeunes méthodistes. Et dans ses ambitions, il voulait devenir soit policier, soit avocat. Et c'est à peu près à cette époque qu'il va donc découvrir que sa sœur, entre guillemets Louise, était finalement donc sa mère. Très en colère face à tout ça, il a même changé de comportement face à John Bundy, donc qui était finalement son beau-père. Au début, il appelait même John papa pendant de longs moments, et suite à toutes ces révélations, il a donc décidé de l'appeler père, puis finalement Johnny. Et d'ailleurs, il commençait vraiment à se moquer ouvertement en fait de John par du coup son manque de culture, et vu que Ted était plus cultivé, plus intelligent, et de toute façon il allait à l'école, il se moquait vraiment énormément de lui, au point qu'un jour, John a même fini par le gifler. Ted commença par se renfermer sur lui-même et son environnement social, et il faut savoir que c'est quelque chose qui lui a fait vraiment beaucoup de mal et qui l'a fait souffrir, et c'est pas quelque chose qu'il voulait de lui-même, c'est juste, il en avait besoin en fait. Ses amis devenaient ultra matures et lui non, pourtant il était très intelligent, et même ça il le comprenait pas, et c'est pour ça qu'il se renfermait sur lui-même. Quand il était face à des inconnus, il se crispait, il n'arrivait pas à parler, il n'arrivait pas à être lui-même, parce qu'il faut aussi savoir que c'était quelqu'un de très drôle. Et du coup, face à ça, les personnes inconnues qu'il ne connaissait pas, ça veut dire la même chose, l'ignoraient, et Ted le vivait aussi très mal. Ted se sentait bien que en classe ou au ski, donc encore une fois, c'est comme la citation de son meilleur ami, c'est quand il est vraiment impliqué qu'il se sent bien.
Et il faut savoir que ses notes étaient bonnes, mais pas non plus excellentes. Il obtiendra son bac avec une moyenne correcte et il sera admis à l'université de Puget Sound. Lors de sa première année d'université, il vivra encore chez sa mère et donc il sera pas intégré dans la vie du campus et il se renfermera toujours encore plus sur lui-même. Il y a une fraternité de l'université qui l'aura même invité à les rejoindre, mais Ted va refuser car il s'y sentira humilié. Il dira également « Je ne me sentais pas assez adroit socialement, je ne savais pas comment fonctionner avec ces gens, je me sentais terriblement mal à l'aise. » Un jour à l'université, il y a eu une conférence sur la Chine et Ted s'est dit que ça pouvait être quelque chose qui ferait de lui quelqu'un d'intéressant aux yeux de tous et qui pourrait l'ouvrir au monde. Et suite à ça, il s'est donné les moyens pour être accepté à l'université de Washington à Seattle, où il fera des études dans un programme asiatique. Il payera ses études grâce à des petits boulots et il aura même une chambre universitaire, mais il n'aura toujours pas d'amis. Il se fera souvent virer de ses employeurs car il n'arrivera pas à accomplir ses tâches, à garder ses petits boulots, mais il faut savoir que pendant cette université, ses notes vont remonter et qu'il aura des notes vraiment excellentes. Et au final, il réussira son année et se fera finalement quelques amis. Et c'est alors qu'il va donc commencer à créer le nouveau Ted. Un Ted intelligent, spirituel, sage et beau. Et c'est donc en été 1966 qu'il va rencontrer la jeune Stephanie Brooks. Stephanie est une femme qui est sophistiquée, d'une bonne famille et qui intéresse donc énormément le jeune Ted, très envieux de ce statut social. Il présentait souvent Stephanie à ses amis comme sa possession, et il voyait en elle un moyen de pouvoir atteindre la classe sociale qu'il pensait mériter. Ces deux personnes sont vraiment très différentes, mais pourtant ils ont en commun la passion du ski et vont faire énormément de balades ensemble, et c'est comme ça qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ted, à ce moment-là, n'a que 20 ans, mais c'est encore un homme qui est très immature, notamment sexuellement, il est vraiment bloqué à l'adolescence. Stéphanie était vraiment le premier grand amour de Ted et avec elle c'était vraiment un jeune homme très charmant. Cependant, malheureusement pour lui, Stéphanie ne ressentait pas du tout la même chose. Pour elle, ce n'était pas son grand amour et elle pensait que justement Ted manquait énormément d'ambition. Elle, évidemment, voulait quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à son style de vie et à sa classe sociale. Ted essayait, malgré lui, de l'impressionner en fabulant les choses, en lui mentant, mais elle s'en est rendue compte et évidemment ça ne lui a pas plu du tout. Ted va cependant réussir à entrer dans une université beaucoup plus prestigieuse, celle de Stanford. Cette université se trouve donc en Californie et il va s'y inscrire dans un cursus intensif en chinois. Mais malheureusement là-bas il va se retrouver encore plus seul puisqu'il n'aura vraiment personne et il va même avoir le mal du pays. Et tout ça mis ensemble, il va donc avoir ses notes qui vont énormément chuter, et ceci va mettre à jour, notamment aux yeux de Stéphanie, son immaturité, sa puérilité, et ça va vraiment mettre un terme à leur relation. Et donc, en été 1967, Stéphanie va décider de quitter Ted, car justement, elle le trouve beaucoup trop puéril, elle en a marre de ses mensonges. Le monde de Ted est donc alors en train de s'écrouler, parce que le pauvre, son seul refuge était les études, et il est en train de totalement échouer. Son premier amour, celle qu'il aime éperdument, vient de le quitter. Il est vraiment au bord du gouffre et tombe dans une sévère dépression. Il abandonne donc les études de chinois et puisqu'un jour Stéphanie lui avait raconté qu'elle aimait le jeu d'acteur d'un homme dans un film qui était architecte, il va décider de s'inscrire à l'université de Washington en architecture. Malheureusement pour lui, il n'y avait plus de place et va donc choisir la planification urbaine, mais ce sera de nouveau un échec total. Il va donc encore une fois abandonner totalement l'université, et concernant Stéphanie, il va quand même réussir à garder un contact avec, mais elle expliquera qu'elle ne veut pas du tout recommencer cette relation, et lui va vraiment rester bloqué sur elle, et il va être totalement obsédé par cette femme. Il va donc emprunter un petit peu d'argent, faire des voyages, aller faire du ski, et va même rendre une visite à ses grands-parents. Au printemps 1968, il retourne à Seattle et va trouver un emploi. Il commencera ses délits au même moment, une fois qu'il aura rencontré un petit voyou qui s'appelle Richard. Là, pour vous situer, il a 21 ans et c'est là qu'il va commencer ses petits délits, en commençant par des vols. Il faut savoir que ses impulsions de cambrioler des magasins se rapprochaient énormément de la kleptomanie étant donné qu'il ne pouvait pas du tout s'en empêcher. La police ne l'a jamais arrêté, ne l'a jamais trouvé, pourtant il faut savoir qu'il volait énormément de choses qui avaient énormément de valeur. Un peu plus tard, il reverra un ancien ami à lui qui lui proposera un poste pour travailler chez Art Fletcher. Art Fletcher, c'est un conseiller municipal à cette époque qui voulait devenir gouverneur. Ted, évidemment toujours plein d'ambition, saute sur cette occasion et il était très heureux qu'on lui propose ce poste.
Il pouvait enfin parler, être écouté, être invité à des soirées, à des restaurants et au tennis. Et surtout, il avait enfin accès à une classe sociale supérieure à celle qu'il avait, et donc, ben, il touchait presque ses rêves et ses ambitions. Et à l'automne, donc quelques mois plus tard, il fut nommé le chauffeur officiel d'Art Fletcher. Lors d'une soirée qu'il passera avec lui, il va boire énormément d'alcool et il sera tellement saoul qu'on va le ramener chez quelqu'un pour dormir. Et il était tellement saoul qu'il se rappellera quasiment de rien, à part que, apparemment, chez la femme chez qui il était, il se sera fait dépuceler à l'âge de 22 ans. Sauf que pendant les élections, Art Fletcher arrivera second et donc n'aura plus de campagne et Ted n'aura plus de travail avec lui et il sera énormément déçu. Il retournera à la vie normale, mais grâce à toute cette campagne, il aura trouvé énormément d'assurance et de maturité et il aura de nouvelles ambitions, enfin il se sentira beaucoup plus fort avec beaucoup plus d'assurance. Et étant donné qu'il avait même volé de très beaux vêtements, il pourra même prendre soin de son apparence. Suite à ça, il va trouver un travail dans un magasin à Seattle. Et vous l'avez compris, Ted était un petit peu un beau parleur, donc il pourra vendre tout et n'importe quoi à ses clients, et surtout aux femmes. Après ça, Ted partira chez ses grands-parents y vivre, donc à Philadelphie. Il s'inscrira à l'université de Temple, et il aura encore une fois des notes assez moyennes. Lors de ce cursus, il va s'inscrire au théâtre et donc il va commencer à développer de nombreux talents de comédien. En plus de ça, au théâtre, on en apprend énormément sur le maquillage et Ted va pouvoir utiliser ça pour se faire passer pour qui il veut, donc en même temps de pouvoir changer sa personnalité, il pourra même maquiller son visage. Ted va repartir à Seattle en 1969 et il va prendre une chambre d'étudiant chez un petit couple, Ernst et Frieda Rogers, et il faut savoir que ce couple adorait vraiment Ted. Effectivement, ce couple va même d'ailleurs dire que Ted les aidait énormément. Ted faisait des petits travaux manuels pour Ernst et accompagnait Frieda au magasin. Et une nuit en septembre, il va aller dans un bar pas très loin de l'appartement, à quelques rues, qui est très fréquenté par des étudiants. Et c'est là qu'il va rencontrer la fameuse Meg Anders, donc je rappelle Elisabeth Kopfel, mais qu'on ne dira pas parce que c'est beaucoup trop compliqué, donc Meg Anders. Et c'est une jeune femme qui est divorcée, qui a un enfant et qui est une secrétaire médicale dans une université. Cette jeune femme de 24 ans va trouver Ted très charmant et de toute façon c'est un très beau parleur. Et il va d'ailleurs se faire passer pour un étudiant en droit et va même dire qu'il est en train d'écrire un livre sur le Vietnam. Sur le coup, Meg ne croit pas forcément tout ce que Ted raconte, mais le feeling va très bien passer, ils vont passer une très bonne soirée. Et d'ailleurs, elle va même ramener Ted chez elle. Mais ce soir-là, il ne va avoir aucun rapport sexuel, de toute façon, ils étaient trop bourrés, et ils vont s'endormir totalement habillés sur le lit. C'est alors que le lendemain matin, la petite fille de Meg va venir les réveiller, et Meg va faire comprendre subtilement à Ted qu'elle préférait qu'il rentre chez lui. Et Ted, en gentleman, va évidemment accepter et va rentrer bredouille. Mais Ted, lui, va tout de suite l'idéaliser et veut vraiment la revoir à tout prix. Meg, elle, évidemment, est une femme qui est divorcée. Son divorce a été compliqué et elle se méfie donc énormément des hommes. C'était d'ailleurs une femme qui était jalouse et vu que Ted avait tendance à flirter un petit peu à droite à gauche, ça n'arrangeait pas du tout les choses. Cependant, elle va quand même décider de faire confiance à Ted. Et ils vont donc décider de se mettre en couple. Mais Ted, lui, ne connaissait rien du tout aux relations amoureuses d'adultes, et il va donc de nouveau enfiler un masque afin de plaire vraiment à Meg et avoir le comportement qu'elle attendait finalement d'un homme. Et il crée donc un nouveau Ted, un étudiant en droit qui est en train d'écrire un livre pour le Vietnam, devenu subitement beau-père et l'homme vraiment parfait. Et cependant, évidemment, Ted, encore bien trop immature, ne se rendait pas encore compte de l'ampleur qu'allaient prendre les mensonges et de la vie qu'il est en train de se créer. C'est donc 3 mois après seulement leur rencontre qu'ils vont décider de parler déjà de mariage, à en parler à leurs amis, mais là, Ted, il va se dire « il y a quelque chose qui va clocher » et il va donc dire pour le moment à Meg « je pense qu'il est trop tôt pour qu'on se marie ». C'est mieux qu'on attende. Mais Ted va quand même avoir un moment de lucidité et va avouer ses mensonges à Meg, et Meg va de suite le pardonner. C'est un couple qui se voyait très souvent, ils étaient très fusionnels, ils étaient tout le temps au téléphone, et Meg avait vraiment tendance à pardonner toutes les bêtises que Ted pouvait faire. Meg était une femme qui était vraiment très amoureuse de Ted et qui était aveuglée par tous ses mensonges. Pour répondre à la cruauté que parfois Ted pouvait avoir,
Elle, à la place de rentrer dedans, elle lui répondait avec de la douceur. Ted avoua à Meg qu'il n'avait pas du tout de licence de droit. Et donc elle, gentille comme elle était, elle va lui donner de l'argent pour qu'il reprenne ses études. Sauf que cette fois-ci, il décide de le reprendre en psychologie et il dira même « Je m'y suis inscrit probablement comme une excroissance de ma confusion au sujet de moi-même. » Et lors de son semestre d'été en 70 à l'université de Washington, cette fois-ci, il aura de très bonnes notes. Il va même rédiger un article qui traite de la schizophrénie et ça va lui valoir les félicitations de ses professeurs. Suite à ça, Ted va se sentir renaître et sa dépression va commencer à s'envoler. Mais à côté de ça, il va continuer à faire des vols et même sortir la nuit en douce et errer dans la rue pour faire du voyeurisme. Il va trouver un autre emploi un peu comme SOS Détresse et c'est là-bas qu'il va rencontrer une femme qui s'appelle Anne Rule qui va par la suite écrire un livre sur Ted. Par rapport à SOS Détresse, Ted dira qu'il avait les meilleurs résultats avec la femme qui était seule ou qui avait été abandonnée par leur mari ou leur copain. Je sentais qu'elles étaient vraiment blessées, elles appelaient parce qu'elles étaient seules et avaient sincèrement besoin de quelqu'un. Même si ça a l'air très gentil tout ça, les experts par la suite vont dire que c'est avec ce travail qu'il a réussi à avoir un ton calme et charmant qui a fait que ses victimes, dont la liste va être longue, étaient adoucies par tout ce qu'il disait. Et par lui. Au printemps 1972, il obtient enfin son diplôme de psychologie, mais il veut devenir avocat. Ses notes en psychologie étaient bonnes, mais son test d'aptitude pour le droit était médiocre. Donc aucune école ne l'a accepté, et rebelote, il s'est senti humilié à nouveau. Il abandonnera son poste de SOS Détresse en 1972. Il sera suite à ça embauché à l'hôpital psychiatrique de Harborview à Seattle, suite à une bourse qu'il aura eue. Là-bas, il a eu une aventure avec une collègue, bien qu'il soit toujours en couple avec May. Et cette collègue, elle va témoigner que Ted était parfois violent, voire abusif envers les patients pour qui il était là. Il a d'ailleurs été soupçonné d'appeler des patients la nuit pour les menacer et leur faire des menaces aussi sexuelles. La collègue avec qui il avait eu des relations en question raconta d'ailleurs à l'un de ses amis que lors de l'une de leurs relations sexuelles, Ted avait mis en gros son avant-bras sur sa gorge pour l'étrangler et qu'elle avait dû le repousser assez violemment pour qu'il arrête. Et en hôpital psychiatrique, il se sentait impuissant et inutile en tant qu'employé, et d'ailleurs, il expliquait même qu'en gros, les patients avaient tendance à lui renvoyer une image de sa propre vie. Il en conclut donc que la psychologie ne sert strictement à rien, et que même pour aider les gens, ça ne sert à rien, et par chance, heureusement pour lui, en 1972, il y a eu des nouvelles élections, et pourra donc de nouveau être embauché pour aider dans les élections. Et c'est là qu'il va donc se faire embaucher pour la réélection du gouverneur Dan Evans. Dan Evans était un gouverneur républicain, et toutes les femmes qui travaillaient avec Ted, ou même celles qui ne travaillaient pas avec d'ailleurs, étaient vraiment charmées par cet homme qui parlait bien, qui était bien habillé, il avait vraiment une belle élocution, et elles étaient toutes vraiment charmées par cet homme. Et évidemment, Ted va en profiter pour flirter avec plusieurs d'entre elles. Et vu que c'est un homme qui est très poli, dévoué, très axé sur la politique, il va même impressionner beaucoup ses confrères. Mais évidemment, tout ne pouvait pas être tout rose, et Meg, elle, commençait vraiment à s'interroger beaucoup sur son petit ami Ted. D'ailleurs, je cite qu'une fois qu'il l'a menacé en disant « Je vais te briser ton putain de cou si tu finis par dire que je suis un voleur. » Parce qu'elle avait évidemment appris que Ted avait tendance à voler des choses un petit peu partout et l'avait donc menacé d'en parler, mais visiblement ça ne lui a vraiment pas plu. Elle expliquera beaucoup de choses qui sont passées qu'elle trouvait très louches, et d'ailleurs même qu'une fois elle s'était réveillée dans la nuit et que Ted était sous les draps avec une lampe torche en train d'observer son corps, donc c'est vraiment, vraiment très creepy. Et après l'élection du gouverneur républicain Dan Evans, il va de nouveau tenter d'être accepté dans une école de droit, et cette fois il va réussir car par chance, Dan Evans lui a fait une lettre de recommandation. Et c'est alors qu'il va être accepté à l'université de l'Utah en droit en 1973. Donc là, il va continuer des petits travaux, notamment dans travaux judiciaires, où il va pendant un moment, en gros, parler des personnes récidivistes, et il va se rendre compte de tout un tas d'erreurs judiciaires qui sont passées, et il va vraiment être ahuri par ce que la justice cache. Et suite à une rencontre avec Martin Bornham et sa femme, il va décider de finalement s'inscrire à
toujours en droit évidemment, mais à l'université de Puget Sound, donc celle où il était auparavant, dans les cours du soir de droit. Car Martin va lui expliquer que à cette université, il risque de pouvoir rencontrer des personnes avec une certaine notoriété et que ça pourrait évidemment l'aider pour la suite. Et par contre, il ne va pas préciser à l'université de l'Utah qu'il ne va donc pas s'inscrire à leur programme, et il va mentir et dire qu'il ne peut pas s'y rendre parce qu'il a fait un accident de voiture. Et dans tout ça, Ted va commencer peu à peu à exclure Meg de sa vie, de ses décisions, et il va même d'ailleurs revoir son ex, Stephanie Brooks, à San Francisco en 1973. Et c'est donc en juillet 73 que Stephanie, en revoyant Ted, va être vraiment abasourdie par le changement de Ted, qui est devenu plus mature, plus beau, plus éloquent. Voilà, elle est vraiment abasourdie par ce changement. Et d'ailleurs, à tel point qu'il va même réussir à avoir son numéro de téléphone, et qui va donc de nouveau se remettre en contact. À côté de ça, Ted, dans ses études, lui, est vraiment déçu de sa faculté. Il trouve que les gens ne sont vraiment pas intelligents. Il pensait être dans une élite qui, finalement, ne l'est pas du tout. D'ailleurs, les bâtiments sont des vieux bâtiments. Tout n'est pas vraiment mis en place. Donc vraiment, il est déçu de tout ça. Et il va donc de nouveau échouer et va tenter de se réinscrire en secret à l'université de l'Utah, qu'il avait planté quelques mois auparavant. Avant Noël 1973, il va se retrouver seul puisque sa petite amie Meg est partie faire Noël avec sa famille et qu'il a décidé de ne pas la suivre. Et c'est là qu'il va avoir la très bonne idée donc de recontacter son ex Stephanie et ils vont décider de passer des vacances ensemble dans le comté de Washington. Comme le couple Vornam était parti en vacances, il va profiter de leur absence pour aller dans leur appartement, je suppose quand même avec leur consentement, et donc y passer une semaine de vacances avec la belle Stéphanie. Stéphanie évidemment ne connaît pas du tout la relation qu'il entretient avec Meg, et elle va totalement retomber amoureuse de lui, au point qu'ils vont même parler de mariage. Ils vont donc partir de cette semaine de vacances chacun de leur côté, parce qu'ils ont de toute façon chacun leur vie, et elle va vraiment croire qu'ils vont aller se fiancer et tout ceci, mais finalement lui ne va jamais la rappeler. On pense donc que voilà, maintenant qu'il a enfin réussi à avoir la belle Stéphanie, bah, finalement, ils s'en foutent. Durant l'été 1974, beaucoup de disparitions de femmes vont se faire remarquer dans les états de Washington et de l'Oregon. Et suite à ces disparitions, beaucoup de témoins diront qu'avant de voir ces femmes disparaître, ils auraient vu un homme. Et ils déclarent tous que cet homme s'appelait Ted et qu'il avait un plâtre au bras. Et ces témoins diront aussi que cet homme demandait souvent de l'aide pour porter ses cahiers ou ses classeurs ou n'importe quoi, et qu'il demandait aussi de l'aide pour mettre par exemple des planches à voile sur son véhicule. Grâce à tout ça, il y a un portrait robot qui sera établi. Et une amie de Meg qui s'appelle Lynn Banks va voir le portrait robot et va immédiatement penser à Ted Bundy. Meg, évidemment toujours aussi gentille, refuse d'y croire mais appelle quand même la police pour vérifier. La police ne sera pas tout de suite intéressée par Ted étant donné que maintenant, vu sa classe sociale et tout, il serait trop bien pour faire ce genre de choses. Et au printemps 1975, il y aura des crânes de femmes qui seront découverts vers la montagne Tyler au parc d'état du lac Sammamish. Grâce à ça, il y aura 6 disparitions qui vont être identifiées et les examens suite au crâne vont montrer que ces femmes se sont faites frapper à la tête. Le 8 novembre 1974, une fille de 18 ans qui s'appelle Carol Daronche va rencontrer Ted dans une librairie dans un centre commercial dans l'Utah. Ted va se présenter comme un policier et va dire à cette jeune femme que quelqu'un tente de voler sa voiture. Et il va lui demander de le suivre pour vérifier tout ça, et la petite fille va le suivre étant donné que pour elle, Ted est un policier. Elle va constater que tout est normal évidemment, mais Ted va lui demander de le suivre au bureau de police, donc c'est ce qu'elle va faire. Carol va monter dans sa voiture qui est une coccinelle dorée et elle va s'inquiéter tout de suite étant donné que c'est la voiture qui est aussi recherchée par la police pour les disparitions. Et son inquiétude ne va faire que grandir quand elle va se rendre compte que Ted ne conduit pas du tout vers le commissariat mais dans le sens inverse. Ted va arrêter la voiture et va tenter de menotter la petite fille qui est totalement affolée, sauf qu'il va mal s'y prendre et il va mettre les menottes complètes en fait sur un seul bras et donc la petite fille va pouvoir s'échapper. Il va saisir un pied de biche et va tenter de la rattraper mais elle va le frapper dans les parties génitales et va fuir. Elle va donc aller au commissariat immédiatement et raconter tout ce qui vient de se passer. Quelques jours plus tard, des spécialistes vont retrouver la veste de la petite fille avec le sang de Ted dessus. Et les policiers et les spécialistes et tout ça vont juste eux savoir que c'est du sang classé O positif étant donné que Ted n'a pas de casier, ils peuvent pas faire le lien entre les deux. Et c'est en janvier 1975
qu'une certaine Karine Campbell va accompagner son mari lors de conférences. Donc son mari est un médecin, le docteur Gadowski, et elle va donc l'accompagner dans un séminaire au Colorado. C'est alors que le 12 janvier 1975 que la jeune femme va retourner dans la chambre d'hôtel pour aller chercher des magazines, sauf que malheureusement elle ne reviendra jamais. Son mari va commencer à s'inquiéter, il va donc chercher un petit peu partout aux alentours, dans l'hôtel, et c'est donc plusieurs heures plus tard qu'il va appeler la police. Et c'est malheureusement seulement un mois plus tard, le 17 février 1975, que le corps de la jeune femme va être trouvé à quelques kilomètres de l'hôtel, et désolé, il sera violé et battu. Et plus tard, le 16 août de la même année, en 1975 toujours, un policier de l'Utah, Bob Hayward, va reconnaître la coccinelle et va donc décider d'interroger le conducteur. Ted, lui, va prendre la fuite et du coup, il va avoir une course-poursuite, mais il va finir par s'arrêter dans une station essence. Au premier abord, Ted semble être un jeune homme banal et comme dit, de toute façon, pour le moment, il n'est pas recherché. Donc voilà, c'est juste un homme banal. Mais deux autres policiers vont arriver et eux vont commencer à s'interroger sur le fait que dans sa coccinelle, il n'y a pas de banquette arrière. Ils vont donc décider de fouiller le véhicule et c'est là qu'ils vont trouver des pieds de biche, un masque avec des bas de laine, des cagoules de ski, des fils de fer, des cordes et des menottes. Au début, ils vont penser que Ted veut juste cambrioler des habitats et ils vont donc le relâcher. Mais quelques jours plus tard, un policier va faire le lien avec l'enlèvement et le meurtre de Carol et il va donc être soupçonné pour le meurtre de Carol et de tous les enlèvements du coup qui sont passés l'année dernière en l'été 1974. Il sera donc de nouveau arrêté par les forces de l'ordre, mais évidemment Ted va tout nier en bloc. Et c'est donc le 16 septembre 1975 que Meg, qui à ce moment-là était toujours la petite amie de Ted, va être interpellée et interrogée à son sujet. Elle va expliquer pendant son interrogatoire que effectivement Ted a parfois des comportements quelque peu étranges. Elle expliquera par ailleurs que pendant l'été 1974, Ted était très souvent absent. Elle explique également que Ted avait tendance à partir en plein milieu de la nuit sans aucune raison et qu'il s'était d'ailleurs rendu au parc du lac de Sammamish, donc durant l'été 1974. Carol va être convoquée pour un tapissage, donc en gros c'est quand il y a plusieurs criminels qui vont être mis et que c'est une reconnaissance faciale. Et parmi les 6 prétendus meurtriers, ou enfin agresseurs, elle va de suite reconnaître Ted Bundy. Ted va clamer son innocence, mais les policiers, eux, vont vraiment être formels. Ils sont vraiment persuadés que c'est lui qui s'est donc attaqué à Carol, puis au meurtre qui s'était passé en janvier. Et ils vont d'ailleurs aussi lui mettre sur le dos donc, les disparitions de l'été 1974. Et c'est donc en février, le 23 1976, que Ted Bundy va être jugé pour la tentative d'enlèvement vis-à-vis de Carol. Ted, lui, est relativement assez confiant et il pense d'ailleurs qu'il n'a de toute façon pas suffisamment d'éléments à charge contre lui. Mais, surprise, le 30 juin, il va être condamné et sera reconnu coupable pour tentative d'enlèvement aggravée. Il sera donc, lui, condamné à de la prison ferme pour une peine d'une durée entre 1 et 15 ans, mais peut être libéré sur parole à partir de 15 mois de détention. Et pendant son incarcération, les policiers, eux, vont donc mettre tout en œuvre pour pouvoir prouver que c'est bien lui le meurtrier de Karine Campbell, donc la femme qui a été tuée le 12 janvier 1975. L'examen de son crâne a donc montré qu'elle avait été frappée par un objet pointu, ce qui pourrait correspondre au pied de biche que Ted avait dans sa voiture. Et c'est alors que le 22 octobre 1976 que Ted va donc être inculpé pour le meurtre de Karine Campbell. Et il va donc être transféré dans le centre pénitentiaire de Garfield dans le Colorado. Pendant la préparation de son procès, Ted, lui, va trouver que son avocat est un incapable et qu'il est incompétent. Et puisque de toute façon, il a une licence en droit, il va décider de faire sa défense lui-même. Et ils vont donc lui laisser l'accès à la bibliothèque du tribunal d'Aspen. Et il va donc en profiter pour s'échapper puisqu'il n'y a pas vraiment de surveillance. Heureusement, sa fuite ne va durer que 6 jours car il va être interpellé suite à des barrages routiers qui n'en sont pas très loin.
Et le 30 décembre 1977, il va de nouveau réussir à s'échapper en creusant un trou par le plafond en rejoignant du coup la chambre de l'un des gardiens. Et la disparition va être seulement détectée au bout de 15 heures et il aura déjà pris un avion pour Chicago, puis pour la Floride. À l'aide d'une carte d'identité volée, il va louer un appartement en Floride en janvier 1978. Et le 14 janvier de la même année, il va se rendre dans une maison étudiante qui s'appelle Chi Omega. À 3h du matin, une fille qui s'appelle Nita Niri va rentrer d'une soirée étudiante et voir la porte de la résidence entrouverte. Elle va entendre des bruits de pas qui sont sourds à l'étage, puis aussi dans les escaliers. Elle va se cacher derrière un mur et voir un homme dans l'ombre avec une casquette sombre et une batte de baseball à la main, partir en courant. La jeune femme va directement penser à un cambriolage et va prévenir sa colocataire. Elles vont décider d'en parler à l'intendante de la résidence, mais vont croiser une jeune femme complètement affolée et battue par terre. Cette jeune femme s'appelle Karen Chandler, elle est en état de choc au sol, le visage plein de sang et elle titube. Elles vont décider de réveiller tout le monde et vont trouver une autre résidente qui s'appelle Cathy qui va être dans sa chambre également, sauf que elle sera recouverte de sang avec le crâne fracassé, donc ils vont immédiatement appeler la police. Et les policiers vont trouver deux autres victimes, Lisa Levy et Margaret Bowman, qui elles sont mortes dans leur lit. Le légiste va dire que les morts sont faites par strangulation et la personne qui a fait ça, on sait tout ce que c'était. Il se serait acharné spécialement sur Lisa étant donné qu'il aurait mordu la fesse, mordu les seins, qu'il l'aurait fracassé à la tête avec une bûche. En plus de ça, elle l'aurait violé. À côté de ça, à quelques minutes de cette résidence, vers 4h du matin, il y a une femme qui va entendre sa voisine hurler à l'aide. Ils vont entendre des bruits de coups et ils vont essayer d'appeler cette fameuse femme en hurlant son nom, mais vu que personne ne va répondre, ils vont décider d'appeler avec le téléphone. Cette fameuse voisine ne va toujours pas répondre, pourtant les deux femmes, donc les deux voisines de cette voisine, vont pourtant entendre des bruits dans l'appartement. Suite à ça, elles vont directement appeler la police et la police va arriver et ils vont retrouver un corps. Ce corps sera en sang avec un crâne fracturé, une épaule disloquée, la mâchoire brisée, mais toujours vivante. Et l'auteur de ce crime va prendre la fuite en passant par la fenêtre. Les spécialistes, eux, vont retrouver des traces de sang, des traces de sperme, des empreintes digitales et une cagoule avec des cheveux, et une morsure encore une fois sur la fesse. Donc pour vous faire un résumé car c'était vraiment énorme, le 14 janvier 1978, ce fameux agresseur a agressé 5 étudiantes et 2 d'entre elles sont mortes. Le 6 février 1978, Ted va voler un Dodge blanc et va conduire jusqu'à Jacksonville. Et c'est 2 jours plus tard qu'une jeune fille, Leslie Parmentier, seulement âgée de 14 ans, et elle sur un parking en train d'attendre que son frère vienne la chercher. Ted va s'arrêter près d'elle et va essayer de l'inciter à monter dans son véhicule en se faisant passer pour un pompier. Par chance, cette jeune fille ne le croit pas et refuse donc de monter dans son véhicule. Et deuxième coup de chance, son frère arrive à ce même moment et Ted va donc prendre la fuite. Son frère, une fois que sa sœur va lui raconter, va avoir le très bon réflexe de prendre la plaque d'immatriculation et en rentrant à la maison, vu que leur père est un détective de la police, ils vont donc donner la plaque à leur père afin qu'il puisse faire des recherches. Donc leur père, James Parmentier, va aller au commissariat et va faire des recherches sur ce fameux véhicule et va se rendre compte que c'est un véhicule qui a été volé. Il va amener les enfants au poste et va leur montrer plusieurs photos de criminels qui sont recherchés et ils vont reconnaître formellement Ted Bundy. Mais malheureusement, pour le moment, ce n'est pas assez tôt pour pouvoir le retrouver et le 9 février, toujours donc de la même année, une jeune fille, Kimberly, âgée de 12 ans, va être enlevée près de son école. Cette petite fille s'appelle donc Kimberly Leach et une de ses amies, Priscilla Blackney, dit qu'elle l'a vue monter dans une grosse voiture blanche avec un inconnu. Malheureusement, le 7 avril, donc 2 mois plus tard, le corps va être retrouvé dénudé et partiellement décomposé et il sera retrouvé dans des bois près de la rivière de Suwannee en Floride. Donc encore désolé pour ces précisions, mais le légiste va donc expliquer que la jeune fille a été égorgée et qu'il s'est servi d'un couteau afin d'abîmer ses parties génitales. Et à ce moment-là, le détective Parmentier va donc faire des liens avec toutes ces histoires et il va prévenir de suite le FBI. Et quelques jours après, donc le 10 février, Ted va être placé par le FBI sur la liste des 10 criminels les plus recherchés des États-Unis. Et lors d'une nuit du 14 au 15 février, il y a l'officier David Lee qui patrouille dans la ville de Pensacola en Floride. Il va remarquer une certaine coccinelle orange qui n'est pas connue dans le quartier et qui
patrouille dans un endroit désert et il va donc relever la plaque d'immatriculation. Et donc par cette recherche par radio, il va se rendre compte que cette voiture a été volée et il va de suite, évidemment, faire un contrôle du conducteur. Le conducteur, lui, est totalement ivre et dit au policier qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Il dit qu'il s'appelle Kenneth Misner et il va être conduit au poste, enfin au poste de police, au commissariat. Il va être interrogé pendant plusieurs jours et c'est seulement quelques jours plus tard qu'il va enfin avouer qu'il est donc enfin Ted Bundy. Et les policiers vont être totalement choqués de voir que Ted Bundy est recherché pour avoir commis environ 36 meurtres. Et donc après son arrestation, il est soupçonné du carnage de la résidence Chi Omega, et il va d'ailleurs avoir un moulage de ses dents et de sa mâchoire qui va être fait pour pouvoir justement relier à la morsure sur la fesse de la jeune Lisa Levy. Le procès débutera le 25 juin 1979 à Miami et les jurys sont totalement choqués par les faits. Les scènes de crime seront photographiées et montrées aux jurys et c'est tellement sauvage que ça va carrément les rendre malades. Pour faire une petite liste de ce qu'ils vont voir, ils vont voir des lits et des piles de vêtements ensanglantés, la tête fracassée de Margaret Bowman, donc une des étudiantes, ou encore une bouteille de laque pour cheveux utilisée pour sodomiser Lisa Levy. Celle qui s'est fait mordre la fesse. Ensuite, il va y avoir des témoignages totalement... J'ai même pas de mots, de deux des cinq étudiantes qui ont survécu. Et la troisième va aussi témoigner et dire « J'ai eu cinq fractures du crâne et des multiples contusions dans la tête, un nerf a été abîmé et j'ai perdu l'audition de l'oreille gauche et mon équilibre, la mâchoire brisée et l'épaule déboîtée. » Personne n'a vu l'agresseur, mais le témoignage de la toute première fille, rappelez-vous qu'il avait vu dans l'ombre avec sa casquette et sa matraque, d'ailleurs j'ai dit batte de baseball, je me suis trompé, va reconnaître donc Ted comme l'homme qui a fui de cette résidence. Donc concernant les indices, les cheveux retrouvés sur la scène de crime ressemblent énormément à ceux de Ted Bundy. D'ailleurs, l'un des experts dira « Ses cheveux viennent de Bundy ou de quelqu'un d'autre qui a la même structure de cheveux et qui s'est rendu dans l'appartement de Cheryl Thomas. » Et les traces de morsures qui ont été retrouvées malheureusement sur la fesse de Lisa Levy correspondent énormément à la dentition de Ted Bundy selon le docteur Richard Souviron. Et un autre docteur est ainsi confirmé, c'est le docteur Lowell Levin. Il explique que c'est pratiquement impossible de trouver une autre dentition capable de pouvoir laisser ces mêmes traces. Et c'est donc le 24 juillet 1979 que 7 jurys sur 12 vont déclarer Ted Bundy coupable. Il sera déclaré coupable du double meurtre de Lisa Levy, de Margaret Bowman et des agressions de Kathy Klein, Karen Chandler et Cheryl Thomas, donc les étudiants. Le 31 juillet 1979, le juge Cowart va condamner Ted à la mort par électrocution. Une femme qu'il a rencontrée 6 ans plus tôt, qui s'appelle Carol Ann Boone, va jouer un rôle décisif dans son procès. Elle croyait Ted innocent jusqu'au bout, elle a défendu le plus possible pendant ce procès. Ils vont se déclarer mariés en 1979 et elle va même lui rendre visite en prison. Et elle va donner naissance à une fille, donc avec Ted, qui s'appelle Rose, en 81. Sauf que après que Ted Bundy ait enfin avoué ses crimes, Carol va demander le divorce en 1986 et va ne plus jamais vouloir entendre parler de lui. Pour revenir à l'histoire de la petite Kimberly Leach, qui avait disparu le 9 février 78 et qui avait été retrouvée le 7 avril, Ted a donc été nommé comme le principal suspect de toute cette histoire et sera donc inculpé du meurtre lors d'un procès qui se passera entre le 21 janvier et le 7 février 1980. Bien que, évidemment, il ait déjà été condamné à mort 6 mois précédemment ce nouveau procès. Lors du procès, des preuves ont donc été analysées et montrées, dont des traces de sperme qui ont été retrouvées et qui est un sperme sécréteur du groupe O. Et il faut savoir que, comme dit, Ted est de sang O+. Également, une trace de chaussure pourrait provenir d'une des paires de tennis de Ted et une autre trace de chaussure pourrait provenir de l'un de ses mocassins. De nombreuses fibres de vêtements ont été retrouvées et mélangées sur des vêtements de Kim et dans le van qui aurait servi à l'enlèvement de Kimberly. Des reçus de cartes bancaires de Ted ont été aussi retrouvés
et il montre qu'il a été sur les lieux du crime, enfin en tout cas dans les alentours des lieux de l'enlèvement. Trois témoignages visuels pèsent aussi contre Ted Bundy, et c'est donc le 9 février 1980 qu'il a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite Kimberly. 12 février 1980, il est donc condamné une deuxième fois à la chaise électrique. Quelques jours avant sa mort, Ted s'exprimera en disant « Je suis le salaud le plus insensible que vous n'ayez jamais rencontré. Beaucoup de gens s'encombrent d'un mécanisme nommé culpabilité, je ne me sens coupable de rien. J'ai de la peine pour les gens qui se sentent coupables, je ne pouvais simplement pas me contenir, j'ai essayé tout mon temps que ma vie paraisse normale, elle n'était pas normale, tout le temps je sentais cette force grandir en moi, j'ai une maladie, je ne pouvais pas rester. » Et c'est donc après de nombreux appels que Ted a tenté de faire en vain et qui ont évidemment toujours été rejetés, que Ted Bundy a donc été exécuté le 24 janvier 1989 à l'âge de 43 ans. Un échantillon du sang de Ted qui a été prélevé en 1978 va permettre aux enquêteurs, etc., de pouvoir le lier à des crimes qui sont passés avant ça. Les autorités locales ont retrouvé ces échantillons de sang au tribunal du comté de Columbia. Ted avait avoué 36 meurtres, mais la police cherche toujours à savoir si on n'aurait pas eu d'autres avant ou pendant ces 36 meurtres. Ted s'en prenait toujours à des jeunes femmes et souvent étudiantes. Elles avaient toutes souvent des cheveux longs et portaient des pantalons. C'était des types de femmes qu'il appréciait physiquement mais qu'il détestait psychiquement. Et en résumé, ces femmes ressemblaient souvent à Stephanie Brooks. Elles lui rappelaient souvent sa propre inadéquation à la société et ses propres échecs dans la vie. Il les repérait, les suivait et les abordait avec un prétexte bien prédéfini. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, il faisait aussi souvent semblant d'avoir le bras dans le plâtre pour quémander de l'aide, ou alors il se faisait passer pour un agent de sécurité. Après ça, il les suivait dans des endroits discrets, les frappait à la tête, souvent avec un pied de biche, et les enfermait dans sa voiture. Certaines seront mortes suite au coup dans la tête du pied de biche, et d'autres vont survivre jusqu'à ce qu'il les étrangle. Pour les victimes qui étaient encore en vie dans la voiture avant de se faire étrangler, faut savoir que Ted les conduisait sur des kilomètres bien loin dans des endroits très éloignés. Il les violait, les mutilait, les déshabillait et les jetait dans des endroits boisés qu'il avait bien repérés à l'avance. Quand les corps étaient découverts, on vous l'a dit un peu avant, mais ils étaient tous souvent décomposés. Et pour terminer, Ted était aussi parfois nécrophile, ça lui arrivait de revenir sur les endroits des crimes pour violer les corps morts de ses victimes. Et parfois aussi, il les maquillait. Les psychiatres en pensent que Ted avait tendance à se cacher derrière un masque de normalité. Ce n'est qu'une image de lui-même qu'il donnait qui est terriblement efficace et vraiment impénétrable. Ils disent qu'il a quasiment tous les critères du désordre de personnalité antisociale, la violence, le mépris pour la vérité et les règles sociales, le vol, l'impulsivité, les remords et tout ce qui s'ensuit. Sa quête d'identité le poussait à se présenter comme quelqu'un d'autre, à mentir, et il se présentait vraiment différemment de la personne qu'il était profondément. Au final, la seule personne qu'il ne voulait pas être, c'était Ted Bundy. Peut-être une personne qui n'arrivait pas à comprendre les relations entre les personnes, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Et il s'était créé des déguisements et des masques afin de pouvoir convenir finalement à la société et aux normes et aux relations. Il voulait représenter une image qu'il désirait désespérément être réellement, et son masque lui servait justement de pouvoir se faire passer pour cette personne. Et sa façon justement de pouvoir manipuler les autres faisait de lui horriblement une personne, enfin un tueur en série efficace. D'ailleurs, certains psychiatres pensent qu'il serait également atteint du trouble bipolaire et que ce serait un psychopathe avec trouble profond de la personnalité narcissique. Voilà tout le monde, on pense que cette vidéo a été très longue, en tout cas ça a été long pour nous. On espère qu'elle vous a plu, on espère que si vous connaissez déjà cette histoire, vous l'avez vue sous un autre angle. Également, il y a deux reportages à voir, évidemment celui sur Netflix qui est relativement bon, mais j'en ai trouvé un autre sur Amazon Prime qui est vraiment très très bon. Malheureusement, il n'est que en sous-titré français, il n'est pas traduit. Cependant, c'est Elisabeth Kopfler, donc Meg Anders, qui parle beaucoup tout le long en expliquant donc sa relation avec Ted Bundy, sa façon de se comporter, comme il était avec sa fille, et d'ailleurs sa fille, Molly,
également témoigne lors de ce reportage et je trouve qu'il est vraiment très 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 intéressant. Il permet de voir la vidéo, enfin de voir encore la vie de Ted Bundy sous un autre angle. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner juste en dessous. C'était Murders Explained et à mercredi.